Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. L'extradition d'Abraham Kale Shérif, un citoyen guinéen par les forces de sécurité conjointes du Libéria, fait débat dans le pays. Arrêté pour avoir, selon les autorités libériennes, planifier des activités subversives contre la junte militaire guinéenne. Shérif avait trouvé refuge au Libéria avant son extradition précipitée. Il aurait été remis aux autorités de la transition. Les autorités libériennes, peu enclinées à communiquer sur cette affaire jugée hautement sensible, ont néanmoins laissé entendre que Shérif avait effectivement été livré aux autorités guinéennes. Selon des sources de sécurité, Shérif, en tant que non-citoyen libérien, aurait agi en coordination avec des personnalités influentes pour déstabiliser le gouvernement voisin. Je ne peux ni confirmer ni infirmer, mais le tribunal doit donc fournir plus de détails sur cette affaire. Ce que je sais, c'est que Shérif est un Guinéen qui recrutèrent d'anciens combattants au Libéria pour déstabiliser la Guinée. Nous avons des preuves, des messages avec lui et l'ancien président guinéen Alpha Condé depuis la Turquie, des photos, des enregistrements, etc. a déclaré une source généralement bien informée. L'ancien juge associé à cette affaire, présenté comme étant le conseiller de Shérif, dénonce une extradition qu'il qualifie d'illégale et s'interroge sur l'actuel emplacement de son client. Il affirme également que Shérif est libérien de naissance. Et ce qui nous pousse et nous laisse comprendre que la situation est de plus en plus critique en République de Guinée. Les opposants sont poursuivis et persécutés peu importe où ils se trouvent. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonné, restez à la chaîne, partagez la vidéo si vous la trouvez intéressante.